Dès à respectivement 4 ans et 3 ans, le prince George et la princesse Charlotte sont déjà très populaires. Dès les enfants de Kate Middleton et du prince William prouvent l'admiration du public à chacune de leurs apparitions publiques, et l'affection des fans pour les deux bambins royaux aurait des conséquences très positives pour l'économie britannique. En effet, la princesse Charlotte serait déjà à la tête d'une véritable fortune, puisqu'elle générerait 4,3 milliards de dollars de profit, et le prince George obtient aussi un joli score, puisque c'est 3,2 milliards de dollars qu'il rapporterait à l'économie du Royaume-Uni. Les vêtements et jouets des deux enfants deviennent rapidement des best-sellers, et on comprend cette popularité grandissante. En effet, le prince George et la princesse Charlotte ont été vraiment adorables au mariage de Meghan Markle et du prince Harry, mais les deux enfants ont été très sages et ont parfaitement tenu leur rôle, et aujourd'hui on n'en sait plus sur ce moment grâce à une invitée qui se tenait près de leur nounou Maria Borello lors de l'événement. Elle a raconté au magazine People, « J'étais assise juste devant Maria, et elle promettait des bonbons et un épisode de Peppa Pig à la plus jeune des demoiselles d'honneur, ce qui était très drôle. » Elle a fait les éloges de la princesse Charlotte, elle était très heureuse et contente d'être là. Elle était très mignonne. Il y avait une petite fille qui voulait partir, et elle lui a dit non, tu ne peux pas y aller maintenant. On doit attendre qu'on nous le demande. Elle était très organisée.